tu mérites pas. C'est un travail de 4 ans. T'as tout fait. Ton entraîneur, en conférence de presse, il a dit qu'il n'y a pas qu'une tactique. Il y a autre chose. Bah, on a compris c'est quoi l'autre chose. C'est-à-dire, c'est les coulisses. C'est scandaleux. Le Cameroun, vous ne méritez pas d'y aller. Vous ne méritez pas. Si Djamel Belmadi, c'est le meilleur sélectionneur africain de tous les temps. Vous voulez ou vous ne voulez pas. C'est le meilleur entraîneur. Merci. 35 matchs sans défaite. Belmadi. Ce que vous voyez, les enfants, c'est des algépleuriens. C'est des algépleuriens. C'est des algépleuriens. Ils sont devant la FIFA en train de manifester. Les gars, c'est la FIFA. C'est la FIFA. La vie de ma mère, les gars, vous vous croyez où? Vous vous croyez où, les gars? Ils ont mis des pancartes. Putain, les gars, vous avez atteint le summum du ridicule. Mais vous avez atteint le summum du ridicule, les gars. Waouh! Les gars, c'est la FIFA. C'est pas le Parlement international des pleureuses de la planète. On ne manifeste pas là-bas. On gagne au stade. On ne manifeste pas devant la FIFA. Non, on gagne au stade. La vie de ma mère, je crois qu'il va falloir ouvrir un centre psychiatrique géant pour tous ces gens, quoi. Non, mais c'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai, mais il faut arrêter. Mais il faut arrêter, qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Franchement, moi je vais appeler vos darons, hein. On va appeler toutes les darons algériennes pour leur dire que là, les gamins, ils vont en sucette, hein. Franchement, le 21 avril, nous saurons, après le recours déposé à la FIFA, les gars. Nous saurons. Mais entre-temps, arrêtez d'étaler votre... Parce que tous les jours, je reçois encore des mots gentils, racistes, de la part de beaucoup d'Algériens, toujours. J'ai l'impression que vous ne savez que faire ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez tout salopé l'éducation. Vous avez aucune... Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, c'est perfusé. On vous a perfusé ce truc débile de le génome R. J'ai l'impression que chaque algépleurien naît avec le génome R. R comme raciste. C'est-à-dire, le mec qui perd le nom, c'est son premier, c'est sa première réaction. Mais les gars, je suis désolé, vous aurez dû gagner ce match. Si vous étiez aussi bon que ça, vous auriez dû gagner ce match. Mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas pu. Vous n'avez jamais pu. Vous n'avez jamais pu. Vous n'avez jamais pu. Que de la parlotte. Vous passez votre temps à écrire aux gens des menaces d'inbox. Voilà, on va te faire ceci. Voilà, ta mère ceci. Voilà, ton père cela. La vie de ma mère, ta mère ceci. La vie de ma mère, ton père là-bas. Mais vous n'avez aucune éducation, les gars. Mais vous n'avez aucune éducation. Je la... Franchement, les gars, j'ai des problèmes, je suis très inquiet pour vos darons. Je suis super inquiet pour vos darons. Mais putain, vous ne pouvez pas être essentiellement dans le racisme. Et c'est ça qui vous fait manifester là. Vous avez un problème psychologique. Vous avez l'impression que les suprémacistes ont été écrasés. Non, vous n'êtes supérieur à personne. Vous n'êtes supérieur à personne. Vous êtes comme toutes les petites équipes de football. Quand vous croisez les lions indomptables, vous vous faites bouffer. Vous n'êtes supérieur à aucun peuple, à aucun pays. Vous êtes juste des algépleurs. Rien d'autre. Rien d'autre. Et ne croyez pas que vous avez le monopole de dire des gros mots, les gars. Soyez sérieux. Soyez sérieux, ça ne fait pas de vous des homos supérieurs. Au contraire. Au contraire, je comprends pourquoi les Marocains se foutent de votre gueule. J'ai un pote marocain, il m'a dit, frère, voilà, tu connais pas les algépleurs. Oh, tu connais pas les algépleurs, mais c'est des pleureuses. Mais internationales, c'est ce que... Ça, c'est... Chez nous, au Cameroun, on appelle ça les pleurs du Mbolé. Et vous allez les voir, ils vont revenir sur cette vidéo, faire les trolls, la même chose. Ils sont incapables
de dire autre chose que je vais niquer ta mère, je vais niquer ton père, je vais tuer ta race, je vais ça. Ils ne peuvent pas dire autre chose que ça. Ils n'arrivent pas à dire autre chose que ça. Non mais soyons sérieux les gars. Soyons sérieux. Vous avez une équipe de football moyenne, approximative. Vous avez un coach moyen, approximatif, et vous avez des résultats qui vous ressemblent. Ce sont des résultats moyens et approximatifs. Insulter les gens toute la journée. Prendre des heures à dire des gros mots toute la journée. Étaler votre... Faire sortir votre petit démon interne toute la journée en tenant des gentils propos et toute la journée ne réussit qu'une seule chose. Montrer au monde qui vous êtes réellement. C'est quoi un Algépleur? C'est qui les Algépleuriens? Parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes passé d'Algérien à Algépleurien. Algépleurien. Vous ne pouvez pas vivre tous les jours à menacer les gens. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela, on va faire ceci. Non mais écoutez les gars, vous n'aviez qu'à gagner le match. Vous n'aviez qu'à gagner le match. Vous ne serez pas en train d'aller pleurer devant la FIFA. Allez pleureuse. Parce que c'est ce que vous êtes, des pleureuses. Vous ne serez pas en train de pleurer sous les postes. Parce que là, vous allez venir là, vous allez de nouveau commencer à être insultant, à dire des choses, oh, dadadi, dadada, des gros mots, étaler vos traînes fondamentales de l'homme noir, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait, au final. Au final, c'est ça, c'est un problème de couleur de peau. C'est un problème de... j'ai l'impression, à un moment donné, que vous avez... c'est des complexes, en fait. Je sais pas, peut-être que les Algépleuriens auraient aimé être européens. Mais les gars, vous pouvez déménager, vous partez en Europe. Je sais pas, les gars. Enfin, peut-être que vous aviez vraiment regretté d'être sur ce magnifique continent et de voir jouer contre le Cameroun, parce que voilà, il faut être fort pour jouer contre le Cameroun. C'est pour ça qu'à chaque fois, demandez à Madjer, il va vous dire. Demandez à Madjer, il va vous dire. Demandez même à votre coach actuel, il a subi les foudres des Lions Indomptables. Notre équipe nationale de football a tout prouvé. On a tout prouvé, frère. Si vous jouez la Coupe du Monde aujourd'hui, c'est parce que nous, en 90, on a fait passer le cap de 3 petits pays à 5 petits pays, frère. Je suis désolé. Vous êtes venu jouer chez nous. On a la classe. On vous a reçu avec classe. Avec classe qu'on vous a reçu. Avec classe. On a perdu 1-0. Nos problèmes, vous êtes repartis avec classe. Mais depuis que vous avez subi la remontada, j'ai l'impression que vous avez perdu la lucidité. C'est-à-dire que vous êtes devenus des Algépleuriens sans lucidité, agressifs, méchants, burk. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, les gars, ce n'était qu'un match de foot. Attendez le 21. Faites comme Eni Mohamed. C'est un grand gars, il est passé à autre chose. Et je vous présente, ça c'est la collection Deuce Albert Zenith. Bye. Ok, si vous arrêtez de faire les gogoles, je pourrais donner à chacun d'entre vous gratuitement.